Tu ne serais pas un peu marseillais par hasard ? Me disent mes amis parisiens chaque fois que je leur raconte quelque chose. Eh oui, nous marseillais avons la réputation de toujours tout exagérer. J'avoue que ce n'est pas entièrement faux. À Marseille, en revanche, si je raconte une histoire à dormir debout, il ne viendrait à l'idée de personne de me dire « Tu ne serais pas un peu marseillais par hasard ?» Ça n'aurait pas de sens. Non, à Marseille, on me dit « Dis donc, c'est la sardine qui a bouché le vieux port !» Comprendre, c'est trop gros, on ne te croit pas. Bien sûr, une sardine géante qui bouche l'entrée d'un port est une image absurde. Et pourtant, cette expression est bien née de faits réels, des faits qui remontent au XVIIIe siècle. Voici le vicomte de Barras. Il n'a que 16 ans lorsqu'il entre dans l'armée. En 1778, en pleine guerre d'indépendance des États-Unis, il prend les armes contre les Anglais en Inde lors du siège de Pondichéry. Et après la capitulation des Français, il est fait prisonnier par les Anglais. Un an plus tard, il embarque avec d'autres prisonniers sur un navire français portant le nom du secrétaire d'État de la marine sous Louis XVI, le Sartine. Ce bateau a l'autorisation de ramener tous ses prisonniers en France. Il hisse donc un pavillon blanc en signe de trêve et part pour la France. Mais au large du Portugal, un navire de guerre anglais s'approche et lui tire dessus, tuant 3 hommes, dont le capitaine. C'est en arrivant à Marseille que les choses se gâtent encore plus pour le Sartine. Le capitaine étant décédé, il incombe à son second de faire entrer le navire dans le port de Marseille. Et comme le remplaçant est peu expérimenté, pour ne pas dire maladroit, il fait échouer le navire sur les rochers. Résultat, un énorme bouchon à l'entrée du port bloquant tous les bateaux autour de Marseille pendant plusieurs jours. Il n'aura pas fallu longtemps aux Marseillais, partisans du jeu de mots, pour remplacer le T par un D. C'est ainsi que le Sartine est devenu une sardine, donnant naissance à l'un des mythes les plus populaires de la ville. Et depuis, l'expression « c'est la sardine qui a bouché le vieux port » s'utilise dès que quelqu'un se lance dans une exagération grotesque. Un exercice dans lequel nous, Marseillais, sommes les champions du monde. Que dis-je ? De l'univers !